humanity in a kitchen, it's not Pleasantville. The expressions, the terms, the way we dance. But when you're brought up within the kitchen, within the profession, you learn that caring can be very honest and direct. L'humain, pour moi, c'est donner un message au client qui vient manger chez moi. Moi, je trouve que je dois être un exemple. C'est vraiment important de changer la mentalité aux gens à cause de cuisiniers. Il faut se respecter l'un l'autre. Et moi, je donne le respect avec ma marchandise, avec donc ma viande qui a été élevée chez moi. Je trouve le temps est très court qu'on est sur la planète et le respect n'est jamais suffisamment. L'humain cuisine, l'humain est créatif et collaboratif, mais aussi limité. Il ne peut pas savoir tous les ingrédients, tous les arômes. Et on croit vraiment que l'interaction d'humain et machine peut augmenter la connaissance et la créativité des chefs. Les femmes représentent 50% de l'humanité. Or, il n'y a que 18% des femmes chefs. Donc la gastronomie est en train de se priver des 50% du talent. On fait un métier qui est fait de technique et de produits, mais l'autre partie qui est intéressante, c'est l'émotion. Et pour moi, l'humain, c'est l'émotion. Donc c'est l'émotion que vous pouvez donner, c'est celle que vous pouvez recevoir, c'est celle que vous avez à travailler avec une équipe, qu'elle soit émotion positive ou négative, mais il y a toujours un sentiment qui émane de l'humain. Et c'est ce qui donne cette variable et c'est ce qui donne cette identité différente à chacun.